La deuxième moitié des années 90 représente tout à la fois l'âge d'or et le chant du cygne du genre point and click. Des titres tels que Les Chevaliers de Baphomet ou The Curse of Monkey Island ont l'air de véritables dessins animés, tandis que d'autres comme Gabriel Knight 2 ou Les Aventures de Tex Murphy font appel à des acteurs filmés et incrustés dans les décors du jeu. À mi-chemin entre ces deux courants, une aventure saura se faire un nom, Toonstruck. Le développement de Toonstruck commence en 1993. L'idée du studio Burst est de proposer une qualité graphique encore jamais vue, rapprochant toujours plus le jeu vidéo du cinéma. Afin de se démarquer visuellement des autres jeux d'aventure, Burst propose à son éditeur, Virgin Interactive, de transposer en jeu vidéo le style du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Le héros du jeu serait un acteur filmé, incrusté au sein d'un monde de Toons. Le jeu demandera 3 ans de développement et coûtera plus de 8 millions de dollars, ce qui à l'époque représente une somme pharaonique pour faire un jeu vidéo. Mon Dieu. Burst recrute les studios Nelvana et Rainbow Animation pour réaliser les animations des personnages Toon, tandis que le héros sera incarné par Christopher Lloyd, acteur éminemment sympathique, connu pour son rôle du Doc Emmett Brown dans la saga Retour vers le futur. Lloyd incarne Marc Blanc en version française, un animateur ayant créé le personnage de la lapine Dorothée. Malheureusement, Dorothée est devenue si populaire que le patron de Marc n'accepte plus aucune idée de ce dernier, lui imposant depuis des années de ne dessiner que des lapins et encore des lapins. Marc est au bord de la dépression et souffre du syndrome de la page blanche. Notons d'ailleurs que son nom original en anglais, Drew Blank, est un jeu de mots sur cet état peu enviable pour un artiste. Une nuit, alors que Marc ne parvient toujours pas à trouver de nouvelles idées de lapin, le poste de télé s'allume comme par magie et le dessinateur névrosé se retrouve mystérieusement transporté dans le monde des Toons. Il y retrouve Flux Radieux, sa toute première création, un personnage mauve un peu timbré. Marc ! Flux ! Marc ! Formant un duo qui n'est pas sans rappeler Sam et Max de LucasArts, Marc et Flux vont alors chercher à renvoyer le dessinateur dans son monde. Il y a juste un minuscule petit problème. Mais avant d'y parvenir, il leur faudra d'abord sauver le monde des Toons, menacé par le maléfique comte Nefarious. Nefarious a en effet mis au point le perfidificateur, une arme capable de transformer n'importe quel adorable Toon en monstre cruel. Elle est plaisante en objets les plus... sinistre. L'univers de Toonstruck est divisé en 3 mondes. Mignonia, le pays joyeux des rires et des chants, et le monde des Toons gentil et mignon. Perfidia est une terre obscure où vivent les Toons les plus malfaisants. Et enfin, Xanidu est l'île des Toons frappadingues, adeptes du nonsense et des gags violents. Triomphés, Marc et Flux devront dans un premier temps trouver comment inverser l'effet du perfidificateur. L'énergie de la machine infernale provient de 12 objets, et il faudra découvrir 12 objets qui leur sont liés. Il ne s'agit pas forcément de liens logiques, mais de jeux de mots ou d'associations d'idées. Par exemple, l'un des objets est une boîte de sucre. Il faudra donc inverser son pouvoir en lui associant une canne. Parce que canne à sucre. Mais évidemment, cela ne sera que la première partie de la quête de Marc et Flux, à qui l'intrigue de Toonstruck réserve quelques surprises. Je ne suis pas un épouvantail, mais un émouvantail. Vous croyez que c'est qui se préoccuperait de tous ces petits oiseaux ? Toonstruck fait le choix d'une interface aussi épurée que possible. Le pointeur de la souris change automatiquement selon l'objet survolé pour indiquer l'action possible. Il suffit alors d'un clic gauche pour effectuer la dite action. Le clic droit sur un objet déclenchera un commentaire ou une observation parfois utile, parfois juste drôle. Flux, grimpe là-haut et demande à l'écureuil si je peux lui prendre ses noisettes. Je ne pensais pas que tu me demanderais une chose pareille. À part ça, l'interface se limite au sac sans fond qui fait office d'inventaire. Là encore, l'influence des aventures de Sam et Max se fait clairement sentir. Même si Toonstruck cherche à se placer dans la lignée des grands classiques du point and click, il est vite apparent qu'il s'agit du premier jeu d'aventure de ses créateurs, qui commettent donc quelques maladresses. Certains puzzles sont un peu faiblards et paraissent parfois un peu artificiels. Les dialogues, au demeurant très amusants, sont un poil longuets. Bref, Toonstruck n'est pas l'acmé du point and click. Excusez-nous ! D'accord, je vous excuse. Mais s'il n'a pas la qualité d'écriture et de design des productions LucasArts, Toonstruck peut en revanche se vanter d'avoir un formidable doublage. En anglais, outre Christopher Lloyd bien évidemment, on retrouve les voix de vétérans comme Dan Castellaneta, Jim Cummings ou Rob Paulsen. Quant à Nefarious, il est incarné en VO par l'inimitable Tim Curry. Et une fois n'est pas coutume, la version française n'est pas en reste.
Pierre Hatté, la voix française de Christopher Lloyd, incarne Marc. Vous savez, Marguerite, le sens de la vie, le but dans la vie, on exagère beaucoup tout ça. Tandis que Luc Hamet, le doubleur de Roger Rabbit en français, mais aussi de Marty dans Retour vers le futur, prête sa voix à Flux. Mais je connais un type qui pourrait peut-être t'aider. Mais on retrouve également des voix mythiques, comme celle de Richard Darbois. Je n'ai pas le temps de m'occuper des lapins, je travaille. Micheline Dax. Oh, vous voulez sûrement du beurre? Je suis vraiment désolé, il n'y en a plus. Daniel Beretta. Pendant que l'homme singe cultive des légumes, moi je cultive mes muscles. Patrick Préjean ou encore Benoît Hallemann. Ou de la même manière, abuser, ni mentir, encore moins berner, voire même duper un garde assermenté de la sécurité des toilettes dans l'exercice de ses fonctions. Notons également le travail des traducteurs, qui ont parfois dû s'arracher les cheveux pour adapter certaines blagues et autres jeux de mots. Surtout que dans Toonstruck, un calembour peut être la solution d'un puzzle. Dire que j'ai un problème mental. Problème mental. Et mental. Il y a toutefois un aspect de la bande-son de Toonstruck qui n'est pas mémorable, et il s'agit de la musique. Le jeu n'emploie en effet que des morceaux libres de droit, qui sont certes en phase avec l'esprit cartoon, mais manquent un peu de personnalité. Trop ambitieux et devenu trop coûteux à réaliser, Toonstruck fut amputé de près de la moitié de son contenu afin de pouvoir sortir à temps pour Noël 1996, sur PC uniquement. Tous les plans avec Christopher Lloyd avaient déjà été filmés et les séquences animées étaient déjà produites. Tout ce contenu coupé fut donc mis de côté en vue d'une suite. Mais bien que lourdement suggéré lors de la scène de fin de Toonstruck, cette suite ne fut jamais mise en chantier. Malgré son casting de premier choix et sa qualité graphique, Toonstruck n'a en effet pas rencontré le succès espéré. Son demi-échec, annonciateur du déclin des point-and-click face à l'émergence des jeux en 3D, notamment sur console, précipita la fin de Virgin Interactive. Et je parie que vos petits poupous sentent encore plus bon que des fleurs, pas vrai? Tout le temps! Vous voulez renifler mes jolies fesses soyeuses? Certains développeurs de Toonstruck travaillent depuis des années à la réalisation d'une version étendue du jeu, réintégrant les scènes coupées. Mais ce travail de restauration coûte cher, prend du temps et n'est pas sans poser quelques casse-têtes juridiques. Malgré le soutien des fans restés fidèles, le retour dans le monde des Toons est pour l'instant toujours compromis par les problématiques du monde réel. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça représente pour moi et pour mon royaume.